Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Myriam. Salam. Aujourd'hui, vidéo assez particulière, on a 24 heures pour vivre avec 1 euro en Algérie. Oh. Ça va être une dinguerie. Est-ce que tu te sens prête ou pas? Logique, tous les jours. Non, mais là, on est à terre, là, on a faim 24 heures avec 100 euros. Et là, vas-y, aide-moi à me lever, s'il te plaît, j'ai plus de force. On fait 24 heures avec 1 euro en Algérie, on est à terre. Aïe. Il va falloir trouver des plans où on fait des choses gratuitement. Il faut un plan déjà pour le petit déjeuner. J'ai une idée incroyable. Viens, on va essayer de se faire inviter par l'hôtel pour le petit déj. Déjà, avoir un déj gratuit, déjà, on commence bien la vidéo. Il est 9h24 du matin et à ce qui paraît, dans le bâtiment où on est en Algérie, au 8e étage, j'ai un petit déjeuner gratuit. Il y a quelques petits trucs, c'est pas un truc de ouf, mais il y a moyen de faire des provisions pour la journée. J'ai pris mon sac et dans mon sac, j'ai une petite boîte, les gars. On va voir si Myriam elle veut m'accompagner. Tu sais, il y a un déjeuner au 8e étage. Oui, au 8e étage, vas-y, rentre. C'est gratuit, mais le 8e étage. Il y a combien d'étages? Il y a 8, c'est tout en haut. Tu te fais pas remarquer, tu prends un petit peu. Sinon, on va pas manger cette journée. 1 euro, c'est rien. Mais je comprends pas, il m'avait dit qu'au 8e étage, il y avait des trucs, mais on dirait qu'ils ont tout. Comment c'est pas là? Attends, mais là, il y a des paniers, peut-être que c'est là. Ah non, elle le 24 heures en Algérie avec 1 euro, ça va être compliqué, c'est une dinguerie. Les gars, j'étais au 8, je comprends pas. C'est le masterclass, les gars, on a tout ça gratuit. Hey, écoute-moi bien, profite, tu prends ce que tu veux. Prends ce que tu veux. Mais pourquoi il y a tout ça, les gars? Peut-être qu'on va pas pouvoir manger, donc vas-y, fais ton assiette. J'ai fait ma rentabilité pour le matin, regardez l'assiette. J'ai pris du fromage, de la dinde, des légumes, j'ai pris des fruits. Il n'y avait pas de burger, pas de tacos, rien. Mais on s'est fait gratuitement. On a le premier repas, les gars. On va goûter ça. C'est du. Ça, c'est quoi? C'est des frites. Oh, je l'ai pas fait. Tu racontes. Mais... Non, c'est. Comment ça s'appelle déjà? Du melon. Eh, manger ça dès le matin, ça donne de la bonne énergie. C'est super méga bon. On a aussi des petits raisins. Abuser de la gratuité, hein. On va peut-être pas manger aujourd'hui. Les gars, je vais me faire un sandwich de la Hesse, regardez. Tranche de dinde, fromage, concombre. Là. Ils sont en train de nous virer derrière. Je crois qu'on n'a pas le droit. Je mange vite. Depuis je te cours. A few moments later. Regarde moi, est-ce nouvelle, on s'est fait virer. J'ai grave le seum. On a duré combien de temps? 2 minutes. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, on est dans un hôtel et dans cet hôtel, genre moi j'ai accès à pas beaucoup de choses. Genre j'ai accès à. Il y a tout est interdit pour elle. La piscine là-bas fait 3 mètres. Pas le droit. Non, si j'ai le droit parce qu'il y avait des petits là-bas dans la piscine qui faisaient 3 mètres. Le restaurant où j'ai été, elle a pas le droit. J'ai pas le droit aussi à la piscine intérieure ou des choses. Mais dealer, vous inquiétez pas. Par contre, j'ai le droit au fitness et je vais y aller tout à l'heure que je vais faire du tapis et vous allez voir ça être gratuit. On n'est pas parti les mains vides. C'est pas une mauvaise nouvelle. Oh, regardez ce qu'on a réussi à prendre avec nous. Le petit. Vas-y, je t'ai pris croissant. Ta brioche bizarre là, je sais pas ce que c'est. Vas-y, goûte. Fais-nous une petite dégustation. Bismillah. Attends, t'as pas le droit, je l'ai pris pour moi, je te le donne à toi. On vous l'a dit, on mange. Est-ce que c'est incroyable? Profite, hein, parce que c'est peut-être notre dernier repas de la journée. Non, mais je rêve là. Yacine, qu'est-ce que tu fous? Je suis mort. Qu'est-ce que tu fous ici, Yacine? Je prends un peu en gratuit pour regarder la télé, pour faire du sport en même temps. Et là, t'as pas payé? Non, j'ai pas payé. Ah, c'est dans le prix? C'est dans le prix, frère. Oui, c'est incroyable. Regardez, les gars, ils sont en train de faire du vélo, regarde la télé. Mais t'as un malade mental. Que tu fais? T'es pas gros. Pourquoi tu fais ça? Bah, je fais du sport, frère. Lâche-moi la grappe. Eh, les gars, j'ai trouvé le meilleur endroit. Tu vas passer un peu de temps dans le 24 heures ici pendant que moi et Myriam, on galère à manger. Ouais, imaginez-vous juste, les gars, vous avez ça chez vous dans votre salle. Vous êtes Robocop. C'est une dinguerie. En plus, tu sais qu'il y a grave des abonnés qui veulent devenir musclés. Ah, les gars, si vous voulez devenir musclés, faites-vous une salle. Mais imagine, ils mettent ça dans leur salon, leurs parents, ils vont faire quoi? Chicoter. Plus ce côté là, j'ai un défi pour toi. Un défi? Non, mais moi j'ai rien fait. Tu vois ça là? Ouais, c'est un frisbee. Ça, c'est pas un frisbee. Tu mets ton pied comme ça dessus. Tu vois? Ouais, je venir comme ça 20 secondes. 20 secondes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'as la moitié. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En vrai, je l'ai eu en vrai. En vrai, est-ce qu'on peut lui valider ou pas? Les gars, derrière moi, comme vous voyez, il y a de l'eau. Mais prends-moi 2. Je mérite, je suis tombé 2. Bien vu. Yacine, des bons plans. Les gars, en plus, c'est de l'eau ifri. Elle est belle. Les mecs, j'ai laissé Yacine monter là-haut. Myriam, elle m'a dit de l'argent dans la plage sans dire à Yacine. Eh, hey, Myriam, elle est trop méchante. Je vais aller voir Myriam ce qu'elle est en train de faire. Mais j'ai grave peur parce que la plage en Algérie, elle est hyper dangereuse. J'espère aujourd'hui, il n'y a pas de drapeau rouge ou le drapeau orange. Sinon, ça va être dur de se baigner. Elle est là. Elle est sur le sable. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, les mecs? Je vais lui faire un prank. Eh oh, 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 oh. Qu'est-ce que tu fais là? T'as même pas dit à Yacine que t'allais à la plage. Et tu fais quoi à la plage? Bah, c'est gratuit logique. Et t'es parti, tu t'es baigné? Ouais, je suis rentré. Mais là-bas, c'est drapeau orange, ouais, j'étais malade. J'ai nagé et tout. Ouais. Y'a pas de trou de tourbillon. Ouais, parce qu'il y en a, ils disent à la plage, y'a des tourbillons et tout. Non, y'a rien, j'ai nagé jusqu'au fond et tout, y'a rien. Et là, tu peux renager là, à ton avis? Bah oui. Vas-y, je te filme. Si t'es pas une vraie désette, tu vas pas dans la mer. Je sais pas, moi j'ai jamais été dans cette mer en Algérie, les gars. La mer en Algérie, normalement, ils disent y'a des tourbillons. Elle y va, ouais. Tu vas rentrer, tu sais nager? Elle est froide et moi je peux pas te secourir, je suis en chaussure. Hein. Non, je peux pas rentrer, tu te débrouilles. Va-t-elle y arriver? Vas-y d'un coup, t'inquiète, c'est léger. Elle est glacée l'eau, les reilles. Oh là 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 là, mais t'es une fragile. T'es même pas rentré dans l'eau toute ta tête, ouais. Elle y va vraiment avec son maillot du Barça. Ok, va-t-elle réussir? Des aides, Myriam. Oh, elle a été! Elle revient! Incroyable, les amis. Ça va?
Oh mon dieu. Les gars, la plage elle est froide, mais il y a pas de tourbillon, il y a rien. Il y a pas trop de tourbillon. Non, c'est juste qu'elle est froide. Pourquoi il y en a, ils disent il y a des tourbillons, des trucs comme ça. Mais ça c'est quand il y a le drapeau rouge et là il est orange. Les gars, je vais vous apprendre un truc. Imaginez-vous là, c'est l'heure de la prière. Il y a pas de robinet, il y a que du sable, il y a rien. Et tu veux faire tes ablutions, t'as pas tes ablutions. Là, j'ai pas mes ablutions. Vous savez ce que je fais? Dans ma tête, je mets l'intention que je vais faire les ablutions. Je rentre dans la mer avec tout mon corps entier. Dès que je ressors, j'ai les ablutions. C'est-à-dire qu'avec la mer, on peut faire les ablutions. Hey, c'est une masterclass. Les gars, avec Myriam, on a découvert sur la plage de l'Algérie des pneus. Pourquoi il y a des pneus avec? Imagine, c'est grave de l'argent dedans. Ah, dans le sac? Oui, imagine, il y a grave de l'argent dedans. Je crois que c'est du sable, non? Regarde, là-bas, il y a plein de sacs d'argent, ça se trouve. C'est une cachette et personne peut les prendre comme personne sait que c'est de l'argent. Eh les gars, moi je dois la rentrer à 100%, il y a des douches gratuites. Wesh, elle a même trouvé des douches gratuites. Mais là c'est inédit, on a gaspillé 0 euro. Ah mais elle marche pas. Elle marche pas celle-là. Voilà, tu t'es trompé. Est-ce que là t'es va marcher? Sinon tu vas rester avec ton sable. Oh là là, ça marche pas. Attends mais... C'est pas Myriam et Younes là-bas? Mais non, je deviens fou, moi je suis un fou. Par contre, je vous avoue que pour ce midi, ça va être le ramadan. Je crois que ça va rien manger. Y'a rien à 1 euro, je sais pas comment on va faire. Y'a pas de plan. C'était que le matin. L'après-midi, tu faut payer. C'est grave, y'a au moins 20 euros. C'est-à-dire là, je sais pas comment on va grailler. Quand on est en Algérie, faut bien savoir se débrouiller. Hein. Ah, j'avoue, les gars, cette journée, elle est incroyable. Je crois que c'est mieux que le 24 heures avec 100 euros. Eh doucement, wesh, il laisse un peu d'eau pour boire, il fait grave chaud. Mais qu'est-ce qu'il fait lui, les gars? Comment galère de faire à manger sans dépenser 1 euro, Younes? Oh, t'as un bon. Oh, oh t'as un bon de haut. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta marmite? Ça fait une heure que je cuisine, une heure. T'es en train de te faire quoi, les gars? Il a fait quoi? Il a fait des avocats. Ça, c'est tout ce que t'as ramené de la France. Pour ta propre. Oh là là, Yacine, faut pas faire tomber par terre. Hein. Comment tu vas faire sinon les gens de l'hôtel, ils vont péter un câble. Mais t'avais pas dit qu'on avait pas le droit de ramener de la bouffe à l'hôtel? Mais ça, faut pas le dire ça. Je viens de finir de faire à manger après une heure de cuisson et j'en peux plus. C'est trop dur de faire la cuisine. T'as fait ça genre grave propre, t'as mis des petites maisons. Avec l'herbe au milieu, c'est grave drôle. Ouais, donc là on a une assiette d'avocat, une assiette de quinoa et un truc pépito. Donc combien ça m'aurait coûté ça en France? Le quinoa, c'est 2,60€. Ensuite, les champignons, c'est à peu près. C'est gratuit les champignons. 50 centimes la boîte, donc ça fait 3€. Ensuite, on a des brocolis. Bon, ça je les compte pas parce que j'en ai pas mis beaucoup. Le pain complet. 4€, je pense, dans la première assiette. Ouais, okay, 4€ la première assiette. 6€, 2€ les avocats, 6€. Et pour finir le dessert. 1€ les trois. Ça fait 7€, 8€ à peu près mon assiette. Ça va, ça passe. Yacine, ça a toqué à la maison. Mais qu'est-ce que tu fais? Yacine, regarde le poisson. Je suis prête à aller à la piscine. Mais tu sais que ça, faut pas mettre dans la vraie vie, on voit rien. Vous savez, la famille, que certaines personnes vont partir en vacances. Mais j'ai un message à passer à tous ceux qui partent en vacances. Même quand c'est les vacances, n'oubliez pas le plus important. La prière, ne lâchez pas la prière. C'est pas parce qu'on est en vacances en Algérie, en Tunisie, au Maroc qu'on doit arrêter la prière. La prière, c'est toute l'année. Quand on a de l'école, quand on est en vacances, tout le temps. La première chose que vous faites quand vous arrivez en vacances, regardez les heures de prière. C'est important, renseignez-vous. Et mettez votre rythme aux heures de prière. Comme ça, après, vous pouvez aller à la plage, vous pouvez faire du sport. Mais en fonction de la prière. Et par contre, je vais pas les laisser partir comme ça. Un terrain de tennis gratuit pour 0 euros. Un des meilleurs trucs qu'on aurait pu trouver parce que le tennis c'est trop bien. Dites-vous, en Algérie il y a des terrains aussi beaux que ça. Mais le problème c'est qu'elle est trop nulle en fait. Qui t'a dit qu'elle était trop nulle? Elle est trop nulle. Vas-y, bah je te défends en VS1. Je vais l'éclater de chez l'éclater parce que moi je suis le meilleur joueur de la famille au tennis. Fais le malin, je vais commencer à prendre ma raquette moi aussi. Eh mais tire doucement, allume-la pas. Ok, bien joué. Elle est bonne hein. Allez Myriam. Mais t'as tiré. Allez derrière toi, ouais. Mais attends, mais fallait que je fasse comme ça. Ok, désolé. J'ai encore. Il y a déjà 2-0. Bien joué, ça. Ça, c'est bien. Encore. C'est trop physique, le tennis. Allez, let's go, grand terrain. Je dis au tennis, c'est moi le plus de la famille au tennis. Au foot, c'est Younes, mais au tennis, c'est moi. Myriam, éclate-le. S'il te plaît, éclate-le. Excellent, Myriam. T'es en train de le faire courir. Allez, Myriam. Super, allez, cours. Oh, tu l'as éclaté. Pourquoi t'es parti comme ça, Younes? Oh, je suis parti comme ça, vous faites que tricher. Mais t'as quoi dans ta poche? Ouais, t'as quoi dans ta poche? Bah, sors, vas-y, sors. T'as un truc. Les Oreos, pourquoi tu les manges? Mais arrête, je les ai juste rangés dans ma poche. Remets-les là, personne ne les mange. Ah, il est trop aigri, lui, c'est un truc de ouf. Mais oui, y a rien à manger, on mange quoi? Du coup, tu veux qu'on fasse un truc pour passer le temps en jouant Uno? T'as encore triché? Non. Choisis ta pioche, vas-y, t'es gris. Les gars, dans les commentaires, impossible que je perde. Regardez le jeu de cartes. Vas-y, joue toi. Tiens, plus 4. Plus 4 C'est à qui de jouer? À Myriam. Oh, elle a remis un plus 4. Je le mets attends. En rouge. Tu t'es sûr que tu remets un plus 4? Est-ce que t'es sûr de toi? Du coup, Yacine, je suis vraiment désolé. Tiens, plus 12. Et je change en bleu. Bah tiens, Myriam. Oh, plus 16. Plus 16 et cartes. Et je change en bleu aussi. Non, attends, je mets couleur. T'as pas le droit, elle a pas le droit. Mais tu peux pas, ouais. Tu peux pas faire ça, tu crois. On est pas dans Fortnite. Prends 16 cartes. J'oublie. Finale. C'est à moi de jouer. Non. La prochaine fois, tu déclares forfait. Oh, t'as un deck là. T'as des cartes Pokémon carrément. Pause, ça y est. Oh, le monde est méchant. Le contre-pressing. C'est pour Yacine, il t'a barré le chemin. Plus 4. T'es sûr? Bah ouais. Okay. C'est à moi de jouer. Non, c'est entre moi et lui là. Oui, t'as vu ton paquet d'Oreo là-bas, là, celui qui est écrasé là-bas. T'as vu ton paquet d'Oreo? Et bah, tu vas voir ce qui va t'arriver. Du coup, c'est à moi, ouais, on est d'accord. Voilà.
Oh, c'est pour Younes, c'est pour Younes. N'importe quoi, c'est pour ça toi. Ça fait 2, 4, 6, 8 cartes. 8 cartes plus 8. Allez, prends plus 8. Non, c'est pour moi. Regarde, pendant qu'il te montrait l'Oreo, tu sais ce qu'il a fait? Il a pris un paquet dans la pioche et il l'a mis. N'importe quoi. Du Wallah maintenant. Maintenant, toutes les cartes que je vais mettre. Voilà, bon, merci. C'est bon. Enchaîne-le. Je change. En rouge ou nos cartes, fin de jeu. Allez, salam alaikum. One hour later. Myriam, il y a la tablette de Younes. Mais là, c'est le sort en roi des graves fatigués. Viens, regarde ce qu'il y a sur sa tablette. Vas-y, viens, regarde d'abord le fond d'écran. Ah, c'est moi. Oh, regarde, il a mis ma tête dans le fond. Netflix. Ah ouais, mais il n'y a pas de co. Si, regarde là-haut. Pour regarder les trucs téléchargés. Les téléchargements qu'il a téléchargés. Oh, il regarde Flash en ce moment. Ah, roi, par quoi que 50 centimes. Là, j'ai 1 euro, regarde ça. Ah, c'est 1 euro là. Ouais, du coup, on fait comment? On les partage en 4 ou? En vrai, moi, je suis chaud, on les laisse à Younes. Pourquoi? Parce que lui, sans manger, il peut pas survivre. Après, il va péter un câble. On essaiera après de manger la télé. J'ai pu utiliser les 1 euro pour le repas, les gars. En Algérie, on peut se faire un vrai repas pour 1 euro. Donc là, on a une boîte avec plein d'ingrédients. J'ai trouvé au magasin. C'était vraiment, vraiment pas cher. Est-ce qu'on peut... Ouais, on peut l'ouvrir. Normalement, c'est carré. Oh, stylé! Il y a plein d'ingrédients à l'intérieur. Il y a même une sauce. Ça a l'air d'être de la mayonnaise. C'est quoi? C'est de la mayonnaise, ça, Yacine? Mais ils ont mis la sauce dans le plat. Oui, mais c'est obligé. Tu veux qu'il la mette tout sur ta tête? C'est une sauce fromagère comme les otakos. C'est trop bien. La sauce de la Hesse. J'espère qu'elle est bonne, par contre, j'en ai mis dans tout le plat. On va mélanger comme ça. Il y a l'air d'avoir des pâtes, de la dinde, du fromage. C'est quoi les trucs oranges? Me dis pas que c'est des abricots. Non, je crois que c'est des carottes. Ensuite, on va rajouter une petite boîte de thon. Ça, vous pouvez trouver même pas à 40 centimes. Par contre, j'avais marqué thon à l'huile. J'ai peur qu'ils ont mis trop d'huile. Mais les frères, il y a grave de l'huile. Attends, avec la fourchette, peut-être que l'huile, elle va partir. On va essayer de mettre du thon comme ça pour ajouter un peu de goût. Les Algériens, dites-moi, c'est quoi votre meilleur repas de la Hesse? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé pour 1 euro. Est-ce que toi, tu penses pour 1 euro en Algérie, on peut bien manger? On peut très, très bien manger. Yacine, dis-toi, il y a des sandwichs, des frites omelettes et tout pour 1 euro. Faut juste aller dans les bons endroits. Pourquoi t'as pris ça, toi? Parce que j'avais pas le choix. J'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé que de la salade, frère. J'ai été au magasin S Market, là. C'est encore pour les 1 euro, vous êtes des bons. J'aurais pas pu dormir le ventre vide. Vas-y, on prend une cuillère avec tout à l'intérieur. C'est grave bon, je vous promets, c'est grave bon. Le fromage, les pâtes. C'est quoi ça, tant? Ça m'a choqué. Ah, c'est les poivrons algériens. Il y a du sort. C'est comme des. Vous avez des cornichons, mais en plus bon. En plus, avec le thon, ça rend trop, trop bien, les gars. Il y a certaines personnes, ils font payer des trucs 20 euros. C'est même pas plus bon que ça. En dessert, j'ai pu quand même avoir 2 pommes, les mecs. J'espère qu'elles sont pas pourrites. Parce que peut-être qu'ils m'ont donné des pommes pourrites vu qu'elles sont pas chères. Regardez à l'intérieur. Oh, trop bien, elles sont pas pourrites. Eh, mais je crois que c'est. Ouais! C'est la nuit! Mais c'est déjà la nuit! On voit plus rien! Ça veut dire que le 24h. Non, la mer, faut pas y aller la nuit. Je vous raconterai ça plus tard, une fois, Inch'Allah. Parce que la nuit, il se passe des trucs bizarres à la mer. Faut vraiment pas aller là. Ce 24h a été réalisé avec succès. Ouais, on s'est bien amusé, c'était des barres de riz. One tout niveau à l'Algérie. Et mettez un gros like, abonnez-vous, kiffez le concept. Ciao. Ciao.